Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous bien? Ah, c'est cool, Marie-Christelle. Moi aussi, je t'aime. Bisous, bisous, bisous à tous. On dit quoi là-bas? Hein? J'étais en train de faire mes courses. Les gens m'envoient des vidéos par-ci, par-là. Je suis en train de faire mes petites courses de Noël, vite fait et tout. On m'envoie des vidéos. On dit oui, il y a quelque chose qui a parlé de toi dans sa vidéo. Il y a un truc qui s'est caché derrière un mur. Hein? Un truc dont on ne peut pas voir. C'est-à-dire que la visibilité est tellement négative, est tellement néfaste pour les yeux. Qu'elle-même, là, elle reconnaît qu'elle ne peut pas se filmer pour parler de moi. Elle est obligée de faire un direct. Non, moi, Yaka Yaka, là, il est fatigué. Il n'est pas encore fini. Vous dites que vous m'attendez à la gare, non? Que, moi, il dit, on est ensemble jusqu'à la gare. Ils disent qu'ils m'attendent à la gare. Il y a qui sont là-bas. Mais j'arrive, vous courez. Ne courez pas. Quand Yaka Yaka arrive, là, faut pas courir. Parce que quand il va arriver à la gare, là, tout le monde va à la gare, hein, mais on ne prend pas les mêmes trains. Il y en a qui sont dans Thalys, il y en a qui sont dans Ouigo, il y en a qui sont dans UTB, il y en a qui sont dans Bodakrou. Voilà, on ne monte pas dans les mêmes cars. C'est ça la différence. Que oui, il y a quelque chose qui a fait. Il n'y avait pas dit que quelque chose qui a gros ventre, on dirait Tori Bakayoko là. Pour ne pas dire grenouille Bakayoko. Quelque chose qui est vilain, les dents cassées, cassées dans sa gueule, qui est vilaine, qu'on appelle Mimi Makosowa, Mimi Beauté. C'est toi, chienne chipie. C'est-à-dire que, tu sais quoi? Il a parlé de toi vite fait parce que, on m'a dit de ne même pas te répondre. Mais il dit non. Moi là, je ne mets pas ça là, dans mon cœur. Quelqu'un qui parle de moi, je lui réponds. Moi, j'ai toujours été comme ça. Ça ne va pas changer pour une petite pute comme toi, une chienne, une arriviste, toi, une menteuse, une voleuse, escroc de ton état. Tu as voulu escroquer le jeune guéri en Italie, il l'a vu dans ton jeu, il t'a largué. Il a fait vidéo de ça pour parler de ça, tu es tombé en transe en même temps. Mais c'est rien à côté de ce que j'envoie, ma chérie. Il a dit, votre famille là, je suis avec vous. Vous êtes trois contre moi seul. Mimi, Lolo, Makoso le bâtard, on dirait crocodile. Mais est-ce que vous m'effrayez? Vous trois, moi seul là, allez vous mettre plat. Voilà quelqu'un qui s'assoit pour dire que oui. Tu es malade. Est-ce que quand le chapeau, la tête est là, on porte le chapeau au genou? Quand la tête est là, là, on porte le chapeau au genou? Il y a des visages propres. Donc, il me fait quoi propre? Quand il y a ta vidéo, hein? Il y a ta vidéo où tu baisais le chien chez le Libanais, là. Ma chérie, si tu n'as pas sorti vidéo où il baisait le chien, là, c'est que toi, c'est Chihuahua qui a baisé ta maman. Et puis, on t'a mis au monde, c'est pour ça que tu es Chihuahua derrière Lolo. Comme ça, là. Maintenant, Lolo, là, c'est Doberman qui a baiser votre maman pour mettre Lolo au monde. Et puis Makoso là, c'est Rottweiler qui a baisé votre maman pour mettre Makoso au monde. Si tu sors pas vidéo où chien m'a baisé chez les Libanais là, c'est que c'est chien qui a baisé votre maman. C'est-à-dire que différentes races de chiens pour vous avoir. Et moi, cette menteuse voleuse là, que oui, toi tu as vidéo où moi chien me baise. Ouais, faut sortir vidéo là, Mimi. Mère con de Mimi là, sors vidéo là. Si tu sors pas vidéo là, si tu sors pas vidéo, je suis en train de me baiser là. C'est que c'est Chihuahua. Toi, petit caniche des blancs là. Un poil partout là. Il y en a qui a baisé votre maman. Et puis toi, tu es né. C'est pour ça que tu joues le rôle de Chihuahua derrière Lolo pour te couya. C'est tout ce que tu sais faire. Maintenant, Lolo, comme elle a la tête, on dirait Lopo là. C'est Doberman. Tu sais, les chiens longs façon, elle a une longue tête là. C'est ça qui a baisé votre maman pour mettre Lolo au monde. Maintenant, Makoso là, c'est Pitbull, bouche large, waouh! Bouche qui, Pitbull, sa gueule là arrive à côté de ses oreilles là. C'est ça qui a baisé votre maman. Et puis Makoso est né. Voilà, c'est comme ça que ça est. Ça c'était ta part là. Bon, il n'est pas fini avec toi. Il revient vers toi, tu cours. Je suis là, on m'envoie vidéo, quelqu'un qui a pris le micro. Oui, je suis là. Oui, Lolo Beauté a fait app de Noël. Maintenant, là, vous n'allez plus avoir cadeau. Et vous n'allez plus faire ci. Vos enfants vont aller à l'école. Tu sais payer fourniture d'école et puis ton papa doit 10 000 là. Tu sais payer fourniture d'école. Voilà Kérosène qui a fait chose, app de Noël à Cypress. Kérosène, on n'a pas entendu parler de ça quelque part. Mais le monde qu'il y a eu. Le monde qu'il y a eu, moi-même, lui-même, il était dépassé.
Il n'a pas fait communication avec quelqu'un. Il n'a pas appelé quelqu'un. Il s'est levé aujourd'hui, il allait payer sa paye, il est venu décorer, assis pour elle, il a mis les cadeaux en bas. Mais dame de la foule, il a partagé une partie de la vidéo. Dame de la foule, il n'y a pas eu besoin de bla 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 pouki. Il n'y a pas eu besoin de bla 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 pouki. Il n'y a pas eu besoin de ça dedans. Petit app de Noël, vous avez fait à Bobo avec 15 enfants, avec 50 cadeaux par terre. Là. C'est ça que vous avez failli louer le Parisien pour faire annonce de ça. Au bout, des menteurs nés, une bande de voleurs, de racailles. C'est-à-dire que vous trouvez toujours le moyen de pouvoir entourlouper les gens avec gens, un petit geste et puis on vole plus à la société. On fait un petit geste et puis on vous récupère plus. Ça là. Les mamans, vous qui êtes allés envoyer vos enfants là-bas, comme vous êtes bêtes là, vous allez voir ce qu'elle va retirer à vous. Deux jours là, son carburant, c'est vous qui allez payer. Hein. Ah oui, apprêtez-vous, parce qu'elle va venir prendre le carburant à vous. Pour dire, ah non, ma carte bleue a un problème, est-ce que tu peux me passer 20 000 francs? C'est qu'est-ce qui passe après demain pour te donner? Ah, elle passe là, ah, ma carte bleue a un problème, hein, est-ce que tu peux me donner 10 000 francs? Elle va récupérer le peu d'argent qu'elle a mis dans ça là. Vous allez voir. Et puis vous aurez honte d'aller encaisser, parce qu'elle là. Même ses clientes, les gens qui ont payé ces pommades-là, et puis qui ont eu des problèmes de peau après, quand ils l'ont contacté là, ils savent. Ils savent. Écoutez, je vais faire, comment on appelle ça? Je vais créer un compte spécial pour toutes les personnes qui ont été brûlées, qui ont eu des problèmes de peau en utilisant la pommade de cette chipie-là, de cette voleuse-là. Vous êtes invitées toutes à vous inscrire sur cette page-là. Vous êtes toutes invitées à vous inscrire sur cette page-là. Je vais vous recenser toutes. Et puis, on va porter une plainte. C'est-à-dire qu'une plainte regroupée contre elle. N'ayez pas peur, c'est moi qui suis devant. N'ayez même pas peur. Quand vous me regardez, est-ce que moi, je peux reculer? Voilà. Donc, faites-moi confiance. Je vais créer un compte. Quelqu'un va créer le compte parce que, voilà, il y a déjà des gens qui sont là, qui vont s'en occuper. Parce que moi, ça, c'est des petits trucs. Voilà. Des gens vont s'en occuper. Et puis, toutes les personnes hein, qui ont eu des problèmes de peau, je dis bien, je n'ai pas dit les menteurs, parce que moi, je n'aime pas les menteurs. C'est pour ça que je suis en train de les combattre. Je n'aime pas les voleurs. Je n'ai pas dit que tu allais payer assez pour te brûler ailleurs, et puis tu es venu te mettre dans affaire de trucs là. Les escrocs là. Je n'aime pas les escrocs. Voilà. Si tu allais payer pour moi d'ailleurs, que ça t'a brûlé, il ne faut pas venir t'inscrire dedans. Mais si tu as payé pour Lolo escroc là, Lolo pute voleuse malhonnête là, si tu as payé pour elle que ça t'a brûlé, tu seras la bienvenue. Moi aussi je t'adore Fifi Toufa, tu seras la bienvenue à t'inscrire. On va recenser tout le monde, on va faire une plainte regroupée contre elle par rapport à son produit chimique qu'elle vend. Et puis où elle a fait école d'esthétique, école de choses de comment on appelle, elle a travaillé dans quel labo pour pouvoir fabriquer des pommades, elle va nous expliquer ça. Son diplôme de chimiste là, elle va sortir tout ça là au tribunal. C'est moi, j'ai déjà vu avec un avocat en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes invités, vous serez toutes invitées à vous inscrire sur le compte. Et puis, moi-même, je vais lancer la procédure de plainte contre elle. Elle va répondre par rapport à ça aussi. C'est moi qui vous dis ça. Deux jours, 15 cadeaux par terre, elle est en train de faire, ils ont pris micro. Ce que Rosane a fait pour lui là, il n'y a pas eu besoin de... Mais bruit qu'il y avait là-bas là. Les enfants qui sont sortis de partout. Lui-même, il est choqué. Il n'a pas annoncé quoi que ce soit à quelqu'un. Moi, je n'étais pas au courant. Parce qu'il était au courant, j'ai lui apporté ma contribution. Pour lui dire, mon frère, voilà ce que je peux t'envoyer pour te soutenir. Mais il n'a rien dit à personne. Il a fait sa chose lui seul. Sans déranger Pierre ni Paul. Mais va voir le nombre d'enfants qu'il y a eu là-bas. Beaucoup d'enfants comme ça. Mais beaucoup. Lui-même, il se cherchait dans la foule. Là. Il ne s'est pas retrouvé. Mais quand c'est pour les pauvres lots là, les bla 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 pouki, on peut pas respirer. Bla 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 pouki, on peut pas respirer. Épée. Non, vous êtes vraiment des voleurs, cette famille là. Mimi qui va s'asseoir, tu as escroqué le gars, comment on appelle ça, le guéré là. Il a oublié son nom même. Là, il ne retient pas les conneries comme ça. Oh. Il ne retient pas ça. Le guéré qui habite en Italie, là. Comme là, tu es en train d'essayer d'escroquer un autre, là. Comme il a mis ton cul dehors, là. C'est pour ça que tu es rentré en transe hier, là. Tu as commencé à faire une vidéo. Ouais, yaka, c'est sur moi qui est arrivé. Moi, c'est plus dangereux que toi. Tu peux faire quoi à qui? Toi, tu peux faire quoi à qui? Ton gros ventre qui est devant toi, on dirait gorille qui a bu Bandi, là. Toi, tu peux faire quoi à qui? Si tu as fait quelque chose, là, pourquoi ta vie est misérable comme ça? Pourquoi ta vie est précaire comme ça? Pourquoi tu vis derrière ta petite soeur?
Les choses qui font honte là. C'est comme moi, ma petite soeur ou bien mon petit frère, je suis derrière lui, puis il y a. Pourquoi même? C'est quel modèle de graisse de grand soeur, moi, grand frère, moi, je vais être? C'est quel modèle de grande soeur tu es, je veux dire? C'est quel modèle de grande soeur saleté là? Carrément, Kevin, moi, je suis plus dangereuse que Lolo. Kevin, il y a ton dossier, hein, il y a ta vidéo. Hein. Toi, tu as vidéo de moi, puis tu n'as pas encore montré. Toi, tu as vidéo de moi, puis tu n'as pas encore fait le tour du monde. Tu as passé ou pas avoir vidéo de moi-même. Même dans tes rêves les plus fous. Même dans tes rêves les plus fous. Sale pétasse là. Vous êtes toujours prête à. T'as dit que pour vous défendre là, vous êtes prête à mentir. Tant que tu as pu vous défendre, vous êtes prête pour ça. Ton magasin que tu allais louer, comment on appelle ça, au marché de cocody, et puis tu as fui parce que le propriétaire venait t'encaisser, tu n'as pas payé là. Il arrive à ce dossier là, tu cours. Tu n'as pas dit que tu m'attends à la gare. Quand l'autre t'a chassé dans son magasin engrais là. Parce que tu faisais la pute derrière en massant les gens. Les maris des gens venaient se masser. Tu les baisais là-bas. Là. Lolo t'a foutu dehors parce qu'elle était pour une fois dans sa vie. Pour une fois dans sa vie. Elle dit que c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Hein. Ou bien l'argent, elle ne te partageait pas. Elle dit qu'elle n'était pas au courant. Elle t'a foutu dehors. Tu es parti louer magasin à Cocody. Au marché de Cocody. Tu n'as pas réussi à payer. Au bout de 3 mois, le propriétaire t'a chassé là. Tu as emballé tes pommades là. Hein? Il y a une dame qui habite en Suisse qui a commandé pommades là. Tu as pris les pommades là tellement que tu as ramassé tes bagages en courant. Tu as oublié même les fermetures des pots là. Tu as fait colis là comme ça pour donner à la femme là comme ça. Elle n'a qu'à partir avec les pommades là. Pour pouvoir te débarrasser de ça. Tu n'as pas payé le magasin, tu es en train de fuir. Le monsieur là te cherche. Mimi, le monsieur là te cherche. Tu n'as pas encore payé les mois, les arriérés de magasin là, au marché de Cocody. Ça te dit quelque chose ou pas? Voleuse là, escroc. Vous êtes une famille de voleuses. Non mais d'où vous venez? D'où ils viennent ceux-là, cette famille-là? Et puis ils sont tombés en Côte d'Ivoire, pas. Non mais, ne vous inquiétez pas, vous êtes tombés chez la bonne personne. Moi, Yaka Paris, vous êtes tombés où il fallait là. Ben, je vais vous aligner une à une dans votre famille. Je vais vous aligner comme ça. Hein, votre toi, Mimio, Makoso, papa, maman. Je vais vous aligner chacun. Il y a Makoso, vieux bandit là. Enfin, je dis, vous qui suivez Makoso là, Makoso va créer la guerre civile en Côte d'Ivoire si vous continuez de le suivre. Et a fait des comment on appelle ça, a fait des Bordeaux Likoumfa. C'est Makoso qui a fait que des Bordeaux a réagi comme ça. Hein. C'est Makoso, un bâtard. Quand tu n'avais pas dit qu'il allait arrêter de Bordeaux, le lieu de son conseil. Comment se fait-il qu'il n'a pas été arrêté? Bla 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 bla, pour qui? C'est vous-même. Quand tu dis bla bla bla, pour qui là, qui parle de vous? Ben, c'est vous qui faites bla bla bla, pour qui? Pour rien. Oui, il y a un qu'on va arrêter le lieu de son conseil. Il y a un qu'on va arrêter le lieu de son conseil parce qu'il avait arrêté. C'est Nick Langba, il se sentait fort. Un lion qui s'attaque à une biche. Et puis il crie victoire. Mais tu n'as rien fait. Tu remontes que lion moyen biche. Aïe. Tu n'as rien fait, mon ami. Attaque-toi à moi. Attaque-toi à un lion comme moi. Tu vas apprécier. Batala. Ma camélia la pastorelle. Tu t'en donnes ton cul en Belgique, on te moucou là-bas. Tu t'en de jouer les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Quel genre d'homme de Dieu? Ta bouche, dès qu'il y a affaire de comment on appelle ça, de couper des canettes, tu sais. Mais faut faire un album. Faut dire que tu es DJ en même temps. DJ Marc Amélie à la pastorelle. On comprend. Parce que tu veux pas dire que tu es pasteur. Et puis quand il y a affaire de DJ, ta bouche est dedans, clac, 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 on ne peut pas respirer. Je n'ai jamais vu ça. Ta bouche est dans tout ce qui ne te regarde pas. Je n'ai jamais vu un bâtard comme toi. Tu as quitté où pour arriver en Côte d'Ivoire? Kevin le Boudet, c'est ma petite soeur. Elle est comment, c'est ma petite soeur. Elle voyage en Air France. Elle voyage dans. Mais c'est pas elle, sa bouche qui dit qu'elle voyage dans Air France. Qui lui a dit de venir t'asseoir pour dire alors qu'elle voyage dans Air peut-être. C'est pas elle, sa gueule qui a parlé. Quelqu'un lui a demandé. Toute votre vie est sur Internet. Ce que vous faites, ce que vous faites pas, vous mélangez tout, vous mentez tout pour déposer ça. Mais comme moi, je suis là, il va tout décortiquer un peu pour venir mettre votre cul dehors. C'est ça qui vous fait mal là, non? Vous n'avez pas dit que quand il parle de vous, il fait votre pub gratuitement. Mais laissez-moi faire la pub là. Hey! Laissez-moi faire la pub là. Pourquoi vous voulez m'empêcher de faire la pub? Et quand il y a un zim? Voilà des imbéciles qui pensaient que la Côte d'Ivoire était à eux. Voici des imbéciles qui pensaient que la toile là leur appartenait. Point oui, point non, vous voulez vous insulter les gens.
Pour un oui, pour un non, vous levez, vous insultez les gens qui ne vous ont rien fait. Mais vous êtes arrivé là où il fallait là. Parce que moi là, il n'y a pas dit quelque chose. Hein. Il est fini, il souffre des jeux. Je vais vous insulter matin, midi, soir. Vous allez m'envoyer la balle le matin, je vais vous renvoyer la balle le soir. Ça va être comme ça. Sauf si Facebook est fermé complètement. Mais j'irai sur YouTube. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Excusez-moi, je mets mes lunettes, moi, parce que ça là, ça me fatigue. Une bande de pauvres lots comme ça, des voleurs. Des voleurs. C'est ce que vous êtes. Hein, ma petite, c'est, tu loues maison à la 8e tranche, non? Tu vends terrain. Toi, tu loues maison. Toi, tu vends terrain, tu loues maison. Tu dis le côté, vend terrain maintenant. Elle vend terrain, elle vend voiture. Et puis quoi encore? Tête de l'homme. Et puis quoi encore? Vous vendez quoi d'autre? Des voleurs comme ça, une bande de misérables, arrivistes. Vous êtes arrivé quand en Côte d'Ivoire? Vous avez commencé à voyager quand dans Air France et puis on ne respire pas. Hein? Que oui, moi je suis aigri contre Lolo. Moi j'ai été aigri contre Lolo. Pourquoi? Lolo a quoi de plus que moi? Lolo ne mange pas mieux que moi. Lolo ne dort pas mieux que moi. Lolo ne voyage pas mieux que moi. Lolo n'a pas mieux, travaille mieux que moi. Lolo ne respire pas mieux que moi. Lolo n'a pas la bonne santé pour dire que moi je suis couché à l'hôpital. Donc, il y a un vieux Lolo pour partir quoi? Sur quelle base? Grande gueule qui pue comme ça là. Un vrai gars comme moi. Ou même regardez-moi. Aïe! Regardez-moi. Est-ce que mon modèle là, il y en a chez les Makoso? Non, mais appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. Regardez-moi, et puis regardez les Makoso là, est-ce qu'on est pareil? On ne peut jamais être pareil. Parce que eux, c'est des maudits. C'est une malédiction qui arrive en Côte d'Ivoire qu'on appelle Makoso. Voilà votre papa qui doit 10 000 francs. À cause de 10 000 francs, on est en train de frapper votre papa là-bas. À cause de 10 000 francs, on est en train de frapper. Vous jouez les riches. Lolo qui prend le micro. Oui, vos enfants vont partir à l'école. Vos enfants n'auront plus problème de cahier. Hein? Sacré, t'as mis, t'arrêtes pas, il était loupé, ça. Il te suivre comme ça, comme cuir et culotte. Quand la rentrée va arriver, là, je vais voir ma chérie, les cahiers que tu es en train d'offrir, là. Les enfants qui seront alignés, là, j'espère que ce seront ça va être les enfants du quartier, vraiment, hein. Ça va pas être les enfants de tes soeurs, comme tu as fait la dernière fois. Ça va pas être les enfants de tes cousins, comme tu as fait la dernière fois. Tu allais rassembler tous les enfants de tes frères et soeurs à venir aligner dans ton salon pour dire que oui, dans ton magasin, là. Pour dire que tu es en train de faire don de cahiers, et puis, bic. Tous les enfants ont été reconnus. Bande d'escrocs. La signification de marmailleur, là, c'est escroc. C'est moi qui vous dis ça. Carrément. Kérosène a fait une chose. Hein? Moi, je suis juste couché là, on m'envoie vidéo. Voilà Kérosène à Cypress. Voilà App de Noël, là. Voilà les jouets remplis. Personne n'était au courant. C'est ça qu'on appelle faire un don. C'est spontané, à la fois généreux, et puis vraiment, c'est agréable. Les enfants sont arrivés comme ça, à l'improviste. Ils ont rempli le coin. C'est ça qu'on appelle faire un don. Parce que ça, c'est un sacrifice que Dieu même a accepté déjà. Parce que sacrifice où tu es obligé de faire, je dois faire bougie de, je dois faire cadeau de Noël de, je dois faire acte de Noël de, venez de, il faut que les gens arrivent de, il faut que ci, il faut que ça. Bla, 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 pouki! Ma chérie, pour rassembler tous les gens de ton quartier pour venir t'asseoir là. Les mamans aussi, là, elles aiment tellement cadeau. Elles aiment tellement quelque chose qui est gratuit. Sinon, moi, grande gueule comme celle-là a fait cadeau. Moi, je prends mon enfant pour aller m'asseoir là. Et puis demain, va dire que c'est grâce à elle que moi, mon enfant a eu cadeau de Noël l'année dernière. C'est elle va prendre ça pour faire chose, pour faire chantage. Pour dire que c'est grâce à elle que c'est. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je préfère aller prendre, même si je n'ai pas l'argent, je vais aller prendre crédit ailleurs, où on ne me connaît pas. Payer cadeau pour donner à mon enfant et puis elle rembourser ça un peu. Que d'aller prendre cadeau d'une gueulade comme ça là. Cadeau d'une gueule, c'est même pas elle qui a payé. Sur les 100 cadeaux qu'Al-Mustapha t'a offert là, il n'y avait pas plus de 200 cadeaux par terre, ma chérie. Il n'y avait pas plus de 150 cadeaux par an, il y a eu 200 cadeaux. Al-Mustapha t'a offert 100 cadeaux, toi même tu as payé 50 cadeaux pour mettre là, c'est ça? C'est ça que tu appelles, je fais un app de Noël là. Ma chérie, quand les gens parlent d'app de Noël, ferme ta gueule. Ah oui, ferme ton groin, ma chérie. Ferme ton sale gros con qui pue là. Parce que tu nous empestes avec l'odeur de ton égout là. Tu nous empestes. Pétasse. Cochonne va. Carrément. Que oui, il y a votre dossier. Toi et puis votre bande là. Il y a votre dossier. Mais allez-y. Tapis rouge, déroulez le dossier, on va voir. Il faut dérouler le dossier.
Ça, vous avez un dossier de qui? Vous pouvez avoir un dossier de qui? Une bande de marmots. Votre vie est remplie de mystères. Votre vie est remplie de vols comme ça, de cachotterie. Votre vie est sale. C'est-à-dire que plus j'avance dans mes recherches, à chaque fois je suis ébahi. À chaque fois je suis stupéfait. Donc comment une famille peut être aussi minable? Alors, pause musicale pour écouter les injures qui piquent à l'encontre de Lolo Bordel. Il faut s'abonner à la page Yaka Yaka Paris, bis officiel. C'est là que tout se passe. C'est ici que tu es fini d'écouter les injures et tu vas te coucher dans la paix du Seigneur. Tu arrives à dormir. Parce qu'il n'y a que moi qui arrive à les traiter comme il faut. Et puis tout le monde dort tranquille. C'est comme ça que ça est. Écoutez-moi cette belle chanson-là. Hé, ça va? On m'appelle partout, on m'envoie des vidéos partout. Je suis arrivé, il n'y a même pas eu le temps de me déshabiller. J'étais tellement pressé de prendre mon téléphone pour m'asseoir, pour les insulter, ces bâtards là, ces fils de pute là. Votre maman est sale comme ça quelque part à Bobo là-bas. À Bobo avocatier, à Bobo derrière rail là, où ta maman est en train de souffrir là. Tu vas pas t'occuper de ta maman, tu vas prendre le micro pour faire chant, tu vas danser. Toi qui cherches la Starmania. C'est toi qui cherches, tu as cherché la Starmania, toi-même tu te proclames star. Tu es star d'où? Star d'Abobo derrière Bananier. Tu es star où, ma chérie? Je suis une star, c'est confirmé. Star de qui? Star de quoi? Et puis toi, on t'insulte comme ça, là. Une vraie star, là, même, là. Tu vas avoir peur de l'insulter. Toi, tu vas l'aimer, même. Non, c'est une star, attends, quand même. Mais regarde comment je te traite, comme une chienne, parce que c'est ce que tu es. Comme une vraie chienne. Voilà. Dont le père était Doberman. Marron, son père, c'est un Rottweiler ou bien un Pitbull. Entre les deux, choisissez. Mimi, son père, c'est un Chihuahua. C'est moi qui ai dit ça. Elle dit que la vidéo, moi, il baisait un chien. Elle n'a qu'à sortir vidéo là. Si elle ne sort pas vidéo là, sa mère con. C'est moi qui ai dit ça. Si elle ne sort pas vidéo là, sa mère, son sale con qui pue là. Le guéré là, quand il est parti à Abidjan là, il t'a vu là, il a dit en guéré à sa soeur. Il dit, mais il fait quoi, celle là? Il a habité avec toi pendant une semaine chez Lolo Beauté là-bas. Tu as fait déménager Lolo Beauté. En lui faisant croire que c'est la. Parce que le gars envoyait l'argent pour prendre maison. Le guéré là. Il t'a envoyé là pour prendre maison. Tu n'as pas pris maison. Quand il devait venir maintenant là, tu commences à courir pour chercher studio. Tu n'as pas trouvé studio là. Lolo Beauté t'a prêté son studio. Tu fais croire au gars que c'est chez lui.
Le gars a passé, après une semaine, il a fini de te mougou mougou en désordre là. Il est venu, il a quitté l'étalé, il est venu faire mougou pain. Il a quitté l'étalé, il est venu faire un vrai mougou pain et puis il a quitté. Tu dis quoi? Il a dit à sa soeur en guéré, mais vrai là. Il veut me marier, mais il veut me marier avec une femme. Pas avec grenouille Bakayoko. Il dit, regarde la fille, elle a son ventre. Gros ventre comme ça devant elle. Et puis elle manque, elle a un enfant. Le gars dit non, ça là c'est pas vendre de quelqu'un qui a un enfant. Hein. Vendre qui est rayé comme ça, on dirait zèbre là. Non. Ça là c'est pas vendre de quelqu'un qui a un enfant. Ça là elle a plusieurs enfants. Un coup on voit les enfants, les deux autres qui sortent quelque part là-bas. Maman. Et le gars dit ah. Ah, ça là c'est comme ça. Que non, c'est les enfants de ma soeur. Il m'appelle maman. Mantinini. Bla bla bla. Bouki. Menteuse là. Imbécile. Et Zali Lolo voleuse. Oh ben ça fait ça yo. Faut fermer ta gueule là-bas. Il faut fermer ta gueule. So. Son petit arbre de Noël, son petit sapin de Noël tranquillement, dans la paix du Seigneur. Il n'a pas appelé quelqu'un, il n'a pas invité quelqu'un, mais le monde qui était là-bas. Le monde, Dieu même a téléguidé les anges là-bas. Pourtant, là, on pouvait compter les gens sous la bâche. Là. C'est-à-dire que ça a été organisé depuis combien de temps? Depuis que tu es venu en France, quand tu es parti. Organisation sur organisation, c'était ça là, ma chérie. C'est ça que tu appelles, j'organise arbre de Noël là. Tu as blabla pour qui, blabla pour qui, blabla pour qui. Moi, je pensais que ça allait être un truc qui allait être grandiose. À l'hôtel Ivoire, avec tout ce qui va avec. Avec animateur Serge Fatou et Lengan. Avec tout ce qui va avec. Hein? Ja, c'est blabla, 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 de quartier précaire. Là. C'est ça que tu as fait? N'importe quoi. Connasse chienne, là. Vente, on dirait barrique de pétrole, là. Voilà, vente de Lolo même. Hein? Que j'ai 5 enfants. Mais tu as oublié de rajouter que tu as 5 enfants de pères différents, hein, ma chérie.
Tu as oublié de rajouter la petite partie, là, le petit détail là. J'ai 5 enfants. Maintenant, j'ai beaucoup d'enfants, ma chérie. Il fallait rajouter la partie là. J'ai 5 enfants, mais chacun son papa. Hein. Ça allait être mieux. Hein. Ça, c'est ça qui te va mieux. C'est ça qui te va. Chienasse, va. Toi, Mimi, tu as te caché derrière l'écran. Tu n'es même pas capable de te montrer que nous n'avons qu'à me taguer. Taguez-moi ce Yaka Yaka là, il va venir ici. Taguez-le-moi, il va venir ici, on va parler. Moi, il y a moi, quand je fais vidéo là, il n'est pas honte de mon visage. Pas ici, joli. Il y a mon visage. Ma maman même a été la première à me dire, c'est joli. Et puis, ça s'est confirmé. Ça m'a suffi. Maman dit, mon enfant, tu es beau. C'est quoi ça y est? Ça là, ça m'a rassuré quand on dit. Et toi, tu fais direct. Eh, je n'ai jamais fait de direct, hein. Mais hier, c'est la première fois que je fasse un direct. Ah! Donc, Yaka Yaka vous traumatise chez vous là-bas, hein. Encore Yaka Yaka, ma cause vient se justifier, hein, quatre grises, pour dire que oui, voici, c'est là, c'est, ma petite soeur qui a payé avec moi, mais en fait, elle dit, elle veut, Range Rover, une histoire rocambolex bien, bien organisée par la marmaille. Parce que vous êtes des escrocs, des voleurs. Ça, là, Adjamé au Black, on fait quatre grises comme ça, là. À la seconde, même où tu as arrêté, là. On fait ça devant toi, puis tu t'en avec ça. C'est ce que vous êtes allé fabriquer, vous venez de poser. Mimi aussi dit, ouais, il n'a jamais fait de direct, hein, mais à cause de Yaka Yaka, appelez-moi Yako Yako de Paris. Elle a fini de dire Yako Yako, mais elle a dit Yaka Yaka de Paris. À cause de lui, je vais faire direct aujourd'hui. Hein? Je réveille même les morts chez vous là-bas. Hein. On dirait que je profane les tombes chez vous là-bas. Hein. Les tombeaux cachés là. Il est tout cassé pour enlever les cadavres qui étaient dedans, là, ma chérie. Même Mimi qui est cachée, elle n'est pas capable, elle n'est pas elle fait vidéo, elle n'est même pas capable de montrer sa sale tronche. Sa sale tronche, toi et moi on fait concours de beauté là, il a gagné. Par un, je suis plus joli que toi. De deux, je suis plus propre que toi. De trois, je suis plus grand que toi. De quatre, je suis plus. Je sens bon que toi. De cinq, je suis élégant. Hey, quand on me voit marcher pour arriver là, tu as dit ouais. Lui là, vraiment, là, on est en train de faire parler avec lui. Hein, mais dans ton fond intérieur, tu as dit, lui là, ça va mal accoucher. Toi-même, tu as dit ça dans ton cœur sale là. Bâtard, ta bouche qui sent là. Tes dents sont cassées, cassées. On dirait donc jeter bombe dedans là. Va chercher à ajuster tes dents proprement d'abord, et puis maintenant tu vas pouvoir te filmer. Parce que sinon tu es trop vilaine, ma soeur. Pétasse. Pause musicale. Ça va? On lance pas caillou sur Yaka Yaka. On lance pas caillou sur Yaka Yaka. Et tout ce que tu cherches là, tout ce que tu sèmes là, oh, tu vas récolter. Tout ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Allez dans ta main, ça va. Tout ce que tu sèmes là, tu vas récolter. C'est comment ça y est? Une pute comme ça, blaguer le monsieur en Italie que oui, le monsieur t'envoie là pour prendre maison, Mimi bordel là. Tu prends pas maison, hein. Le gars arrive maintenant, tu t'en. Là, le beauté s'est habité chez les poclés. Chez les poclés comme elle-même là. Elle se démerde, elle doit à gauche, à droite, à droite. Tellement que vous pensez que vous avez le jackpot. Ah, le gars est venu, là, il faut que ma soeur puisse brancher lui là. Le gars a vu gros ventre là, ça tombe à gauche, à droite. Quand elle est couchée ici, son ventre est là-bas. Quand elle est couchée là-bas, son ventre est là-bas. C'est la même, on peut donner un tête à gré par derrière. Il dit, ça là, c'est une affaire qui est carabinée. Ah là, c'est trop lourd. Ça y est, il y a quelqu'un qui quitte. Le gars dit ça là, c'est des marmailleux, c'est des voleurs, c'est des escrocs. Toi, tu n'es pas une femme que moi, je dois marier. Le gars, sa soeur est venue, sa soeur qui est guérie. Il demande à sa soeur en guérie. Ah, celle-là. Moi, je ne peux pas marier celle-là. Elle est trop vilaine. Il a son ventre. En plus, son coin est large comme ça. Son nid est large. On a couché ensemble une fois depuis que je suis là. Je n'ose même plus la toucher. La nuit, elle me touche, il donne dos, elle ne comprend pas. Il dit, je suis malade. Ils sont obligés de mentir. Tellement que son con sent. Une fois là, comme elle était déjà prête là, j'ai vu qu'elle était déjà voulait. Oh. Donc je lui ai donné un coup. Mais c'était difficile, c'était long, hein. Un coup là, ça a duré comme si 10 jours. J'étais pressé que ça finisse, quoi. Et quand il a menti qu'il est joué, puis il était là. Toi, saleté comme ça, tu as venu t'asseoir. Le gars là, quand il est venu, t'as baisé deux fois. Il t'a baisé deux fois. Il est, pendant, quand il a fini avec toi là, il t'a laissé là. Il est parti là. Il a mis, pas fermé le cardinal, le robinet. Maintenant, voilà Mimi. Il n'y a plus l'argent pour payer loyer et lolo. Il n'y a plus l'argent pour payer facture. Elle s'est transformée en chihuahua tout d'un coup. Oui, ma petite soeur. Oui, adieu dans ton affaire. Gna, 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 gna. Patati, patata, bla, 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 pouki.
n'importe quoi. Bâtard là. Une famille de marmailleurs, de voleurs. Quand on dit que la voiture n'est, ta voiture n'est pas ta voiture là. Moi, tu me dis ma voiture n'est pas ma voiture. Il descend sous sol tout de suite là. Il vient prendre la carte grise et vient, il monte pas. Mais il n'a même pas envie de montrer ma carte grise. Mais pas, ils vont connaître mon adresse. Il ne va jamais vous donner mon adresse. Pas, vous êtes des voleurs. Voilà. Il vient prendre la carte grise et mon nom dessus. Pas, il vient et dépose. C'est pour moi. Il n'est pas volé ou bien prêté voiture de quelqu'un. Voilà. Tu attends 3-4 jours. Tu t'en fais vidéo. Et puis vidéo là pour une première fois. Tu te lèves via express spécialement pour aller chez Makoso. Pour aller faire crypto de menthe là. Crypto de menthe. Laisse-le mettre ce qu'il a à mettre. Est-ce qu'il réussit à m'empêcher de dire ce qu'il avait dit. Il travaille gratuitement comme moi. Donc laissez-le. Moi, je travaille gratuitement pour les Makoso là. Ils ont dit qu'ils font leur pub gratuitement. Donc, Crypto de Mantes là aussi, ils font leur pub gratuitement. Ils viennent les défendre gratuitement, sans salaire. Mais je suis sûr que celui-là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Makoso. Ça lui fait tellement mal. Quand ils me connaissent comme ça, là, ils sont en transe. Il faut qu'ils viennent. Là. Il faut qu'ils viennent en cargaison pour m'attaquer. Parce que je suis trop lourd pour vous. Pourtant, vous vous connectez là. Je ne vais pas envoyer quelqu'un vers vous. Je ne vais rien vous dire. Je n'envoie pas quelqu'un pour aller vous signaler vos vidéos. Moi-même, quand je suis là comme ça, puis on m'emmène vos vidéos là. Et puis, je prends la peine de regarder un peu quelques parties. Hein, et puis, je prends vos propres graisses pour vous griller avec. C'est comme ça qu'un homme fort se comporte. Tu ne cours pas pour venir empêcher l'autre de parler en signalant sa vidéo. Ça veut dire que tu as peur. On dit, tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Tu signales, je vais t'insulter. Tu signales pas, je vais t'insulter. Tu montes, tu descends, je vais t'insulter. Donc, signaler. C'est comme ça que ça y est. C'est pas vrai, vous êtes des faiblards. Vous êtes des peureux. C'est trop fort pour vous. C'est pour ça que vous êtes obligé de d'envoyer une délégation pour venir m'empêcher. Mais est-ce que vous arrivez à m'empêcher? Même si on bloque la radio, mais sur YouTube. Et puis les gens vont venir comme ça, pour venir écouter comment ils vous insultent bien. Comment il est fini, vous? Il est fini, votre famille. Voilà votre maman qui est assise à Bobo là-bas. La pute. Elle a fini de coucher tous les jeunes du leurre d'Abobo là. Maintenant, elle est devenue leur vieille mère. Au moment où elle baisait, elle ne savait pas qu'elle était leur vieille mère. Maintenant, elle est devenue la vieille mère, elle est assise avec son vieux visage, on dirait crocodette. Elle est dagbe partout. En train de gérer salle de jeux vidéo. Tes enfants sont en train de se proclamer riches. Toi, tu es en train d'encaisser 50, 50, 100 francs, 100 francs de salle de jeux vidéo. C'est pas pitiation, ça, là, comme on va appeler. C'est pas pitiation, ça, là, comme on va appeler. Une bande de voleurs comme ça, là. Des escrocs patentés. Quand tu cherches escrocs patentés, là, c'est vous. Makoso voleur, ta lâche gueule, là. Affaire de Debordo, ton affect. Ton cul a sauté pour arriver là-bas. Bah. Affaire de Debordo. Debordo est parti chanter dans le truc, là. C'est Makoso. À cause de la cause de Makoso. Vous allez rester là. Makoso va créer la guerre civile en Côte d'Ivoire. Makoso. Partout où il passe là, il y a problème là-bas. C'est une famille de poisseux. Je vous ai déjà dit ça. Vous qui les suivez, qui les soutenez là, il ne sait pas il y a quelle drogue dans votre... Je sais pas, vous fumez quoi. Il ne sait pas avec quelle eau vous lavez. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il vous a dit. Qu'est-ce qu'il a pu vous envoûter. Mais si vous envoûtez là, mais quand on dit que quelqu'un t'envoûte là, et puis quelqu'un t'informe que tu as été envoûté là, normalement là, l'envoûtement est gâté. Quand quelqu'un t'a envoûté, et puis tu as la chance... Que quelqu'un vienne te dire que tu as été envoûté là. L'envoûtement est gâté. Donc là, quittez d'affaire de Makoso. Moi, il n'ai pas besoin de vous pour manger. Oh. Père, il ne vous dit pas quitter d'affaire de Makoso pour venir derrière moi. Il te dit depuis quand. Le Daichi. Le Daichi, tu connais la signification de Daichi? Daichi là, c'est la force tranquille, mon ami. Quand on dit Daichi là, c'est la force tranquille. C'est-à-dire que tu prends sur toi et puis tu apaises les tensions, tu apaises les cœurs. Daichi, c'est comme ça qu'il se comportait. Il ne met pas les gens en palabre. Sa bouche est là, plac, 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 dans tout ce qui ne le regarde pas. Voleur là, bandit, bande d'anciens prisonniers. Toute la famille a été déjà en prison. A commencé par Makoso. Lolo, le grand frère est né là, il ne connaît pas son nom. Hein. Lui aussi, il a été en prison déjà plusieurs fois à Bobo là-bas. Une famille de voleurs comme ça, c'est moi, vous allez venir vous comparer. C'est moi, vous allez vous comparer. Regardez-moi, est-ce qu'on a la même éloquence? Regardez-moi bien. Regardez-moi. Il n'a pas envie de parler pour me donner un genre. Hein. Mais tous ceux qui me regardent là savent. Babiel. Est-ce qu'on a la même classe?
Danyene. Pause musicale. Alors, pour écouter les injures qui piquent à l'encontre de Lolo But, Lolo Bordel, Lolo Sao, Lolo Jankal, Lolo Toutou, ha, il faut se connecter à la page Yaka Yaka. Paris bis officiel. C'est ici que tout se passe. Donc, taguez vos amis, taguez vos connaissances, taguez vos frères et sœurs. Dites-leur de venir voir Yaka Yaka. Yaka Yaka Paris, le général, le vrai général, le dresseur des chameaux infatigables du désert. C'est moi-même qui m'occupe de bien comme il faut. C'est comment ça y est? Voilà. Pause musicale. Quand Yaka Yaka Paris arrive, ça tremble. Quand Yaka Yaka Paris est connecté comme ça, là, Lolo fait règle. Mimi vient essayer. Au moment où elle finit d'essayer, là, elle a fait règle. Tout le monde fait règle chez eux là-bas. Écoutez, quand j'arrive là, c'est le bruit là que ça fait chez eux. Quand Yaka Yaka Paris est connecté là, c'est signal d'alarme. Bla 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 bouki. C'est comme ça que ça est. Il y a une qui dit que la bus a bien à travers. Fais gaffe, hein, ma chérie. Je n'ai pas envie d'avoir de cadavre. Non, Yedi, j'adore insulter cette famille-là. J'adore les deux. Il y a tellement à dire sur eux. Mais il y a tellement à dire sur eux. Mais c'est pas possible. Moi, plus les nouvelles arrivent, à chaque fois, je suis stupéfait. Yedi, mais c'est pas pour. Mais c'est qui ceux-là? Donc, il y a des gens qui peuvent être mauvais. Là, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Mais c'est qu'ils savent pas ce qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est plus sorcier qu'eux. C'est moi. Ah, il mange pas pour quelqu'un, mais on touche pas pour moi. Ah non, 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 tu t'amuses de moi là. C'est ton cadavre qui va traîner dans la boue. Tu dis quoi? Des bâtards comme ça? Une bande de pauvres lots. Vous, c'est vous qui appelez les gens pauvres lots. Il y a plus pauvre que vous. Il y a plus pauvre que vous. Comme votre maman s'est fait baiser par des chiens pour vous mettre au monde là, vous prenez votre cas pour une généralité. Vous pensez que tout le monde baise des chiens, ben vous êtes habitué à baiser des chiens. Non, ça marche pas quoi chez tout le monde, hein. Non, 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 carrément. Kimi, chien à baiser, j'ai la vidéo, chien à baiser, yaka yaka, j'ai la vidéo, mantardise. Espèce de mantarde. Il y a celle-là. Tu me vois ici en direct, tu m'appelles pourquoi? Aïe, je n'aime pas les trucs comme ça, hein. C'est quoi ça? Bon, j'ai qu'à faire quoi, ça? Je suis en direct, je ne vais pas m'appeler, sinon ça va m'énerver.
Voilà. Ah, moi, je n'ai pas compris, hein. Comment tu dis que tu as une voiture? Toi, tu as la voiture, tu roules la voiture, la carte grise se trouve chez Makoso. Va chercher à comprendre ça. Toi, tu roules voiture à Oumé, la carte grise est à Bobo, chez Makoso. Maintenant, comme il a parlé de ça là, brou, quand chez Makoso là-bas, pour aller sortir carte grise là. Et 2 jours, 3 jours après. Attends. Attends. Vous nous avez pris pour des malades, vous. Vous pensez que comme vous êtes bêtes là, vous pensez que tout le monde est bête. Non, on n'est pas tous bêtes, hein. Regardez-nous bien. Si vous êtes né au Bethléem, là, c'est vous qui voyez, mais nous, on n'est pas bêtes. Ou bien les gens que vous regardez dans les yeux, puis vous leur mentez, puis vous réussissez à les escroquer, là. C'est pas nous. Moi, en tout cas, j'en ferai pas partie. Non. Je suis trop intelligent pour vous. Des bâtards comme ça, là. Carrément. Je suis là, n'aie pas peur. Je suis là, n'aie pas peur. Donc, vous, là, je reviens là-dessus. Toutes les personnes, à toutes les femmes qui ont été brûlées, sincèrement, hein, par les produits de cette sauvageonne-là, cette imbécile arriviste-là, cette minable pauvresse-là, cette chienne-là, en chaleur-là, cette chienne en gestation, envoyez, vous allez, je vais créer, on va créer un site, comment on appelle ça, on va créer un compte, vous allez tous vous abonner là-bas. Et puis, on va vous recenser. Je vais prendre le nombre de personnes qu'il y a pour porter une plainte groupée chez un avocat. Elle va vous dédommager. C'est moi qui vous ai dit ça. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Elle va vous dédommager une à une. Toutes celles qui ont eu problème, elles ont été obligées d'aller chez un dermatologue pour essayer de réparer. Hein, pour essayer de réparer le préjudice que son acide-là a pu provoquer sur ta peau. Elle va te dédommager. C'est moi qui t'ai dit ça. Donc tu vas venir t'inscrire. Ouais. Ils sont arrivés chez la bonne personne. Quand ils leur disent ça, les amis, ils pensent qu'ils m'amusent. Quand vous dites que vous êtes infatigable, vous allez vous finir par vous rendre que c'est moi qui suis infatigable en fait. Il ne fait plus clash. 2020 arrive. Moi, il vous clasher qu'en 2070. C'est comme ça que ça y est. Je vais vous clasher jusqu'en 2100. On est dedans. Vous n'avez pas dit que vous m'attendez déjà à la gare, mais j'arrive, pourquoi vous courez? J'arrive, vous courez. Non. Faut pas courir. Moi, je n'ai pas fini à vous. Le jour que j'aurais décidé qu'il est fini là, en ce moment, j'ai fini. Sinon, il n'y a pas l'homme qui va m'arrêter vis-à-vis de vous. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez m'applaudir pour dire, ouais, tu es fort. Ouais, tu nous as fait ça. Vous-même, vous allez m'applaudir. C'est moi qui vous dis ça. Je vous promets ça. Bande de racailles, imbéciles que vous êtes. Bande de misérables. Toi-même, tu te demandais que tu avais. Tu te croyais déjà en Italie. Le gars amène papier pour dire non, fais les démarches à la mairie. Quand il vient se marier, au moins le gars va venir que le mariage est déjà fait. Le gars dit, tu dis quoi? Il n'a rien vu mariage sans le marier. C'est chez les Makoso qu'on voit ça. C'est chez les Makoso, le marié est en Italie et puis le mariage s'est fait en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ça où? Aïe, le gars dit, mais non. Moi, il ne rentre pas ça. Hein? Moi, je ne suis pas bêté. Je suis ivoirien. Je parle toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Voilà, quand je dis je parle, c'est un peu trop dit, mais je comprends, je me débrouille avec quelques mots des ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je suis. Je suis un vrai Ivoirien, moi. Je ne suis pas un semblant d'Ivoirien. Ivoirien qui s'appelle Makoso. À part eux, là, montrez-moi un autre Ivoirien qui s'appelle Makoso. Il n'y en a pas. Parce qu'ils viennent de quelque part. C'est bâtard, là. Carrément. Vous prenez un micro pour crier, oui. Venez avec vos enfants. Il y a fourniture maintenant. Il y a chose. Mais allez, vous courez. Ne courez pas. Vos culs seront sur Facebook. Mimi, tu n'as pas dit que je suis arrivé, c'est toi qui as mon dossier. Maintenant, je vais m'occuper de toi mieux. Je vais m'occuper de toi mieux. Je vais bien m'occuper de toi. Voilà, je profite de l'occasion pour vous dire un truc. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de parler dans les histoires de coupé et de calé là parce que, voilà. Et puis, quand je parle d'un artiste, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup. Voilà. Là même, là, il s'agit de. Pause musicale. Hein? Voilà. Donc, Debordo, il faut comprendre un peu le frère. Il est un peu touché parce que. Il vient de perdre son ami intime.
Il vient de perdre son habit intime. Makos sont en train de l'étaler partout, partout. Makos sont en train de salir son nom. On va rester dans ça là. Jusqu'à le gars, il va se pendre ou bien il va se suicider. Il va faire un truc, il va aller se tuer. Et puis on va avoir nos yeux pour pleurer pendant 4, 5, 6 jours. Quand Arafat est mort là, vous vous rappelez? Il faisait des conneries sur Facebook là, tout le monde l'insultait. Mais quand il est mort là, qui a dormi? Sincèrement, pendant les 3 premiers jours, qui a dormi vraiment? On était tous chinois sans le savoir. Voilà. Donc, De Bordeaux, il est dans sa gamme. Il vient de perdre son ami avec qui il a commencé. Ils ont traîné. De Bordeaux, et puis, à la fin, il a plus de souvenirs de Bordeaux que tous les artistes du groupe de Cali. Ben, c'est avec lui-même qu'il a vu la galère. C'est avec lui qu'ils sont sortis ensemble de la galère. C'est avec lui qu'ils ont commencé à manger ensemble. Donc, perdre cette personne-là d'une façon aussi tragique. Hey, ça touche hein, mentalement. Tu peux faire semblant d'essayer de faire partir ça quelque part, essayer de jouer pour. Tout cela, c'est des manières pour essayer d'évacuer. Mais souvent, ça ne s'évacue pas comme ça. Vous comprenez ou pas? Donc là, Makoso va créer problème. Il va baisser sa gueule là. Jusqu'à le pot, il va aller se suicider. Ou bien, on dit que oui, on commence à s'asseoir pour pleurer. Makoso, c'est le démon en personne. Makoso, il était un envoyé de Lucifer. Mais moi, Dieu m'a envoyé pour le combattre. Je vous dis ça, hein? Et puis je vais le vaincre. C'est moi qui vous dis ça. Ben, je ne suis pas prêt à le laisser. Tu es dans tes battes avec quelqu'un bloqué. Hein? Ma chérie, je suis en direct, tu es en train de m'appeler. Il est bloqué, il n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu me vois en direct, tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Hey, tu vas arrêter de m'appeler. Je suis en direct, tu vois bien que je suis en direct, tu es en train de m'appeler. Tu appelles la première fois, il est coupé. Je ne dis pas ton nom, mais la troisième fois, ça va m'énerver. Oh. Je n'aime pas les trucs qu'on va me déprogrammer de mon direct. Tu me vois en direct, c'est faut pas m'appeler. Excusez-moi, hein. C'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui a quitté dans l'affaire de. Elle insistait parce que. Elle dit qu'elle a quitté dans l'app de Noël que Lolo Beauté a organisé là. Elle m'a envoyé en inbox jouer qu'elle a reçu pour son enfant là. Voilà ça. Il n'y avait pas mangé. Il n'y avait rien. Les gens ont commencé à se l'insulter là-bas pour dire que oui. C'est quelle foutaise ça. C'est quel comportement ça. Hein? Tu fais déplacer les gens. Pour 4, 5, 6 jouets, il n'y a même pas mangé. Les enfants avaient faim. Ceux qui se sont purgés avant d'arriver là-bas, pensant qu'ils allaient trop manger là. Lui, quand il parlait dans le micro pour dire qu'on va faire emporter. Moi-même, je vais faire emporter. Tout le monde n'a qu'à faire emporter. Genre, ils ont tué lion. Genre, ils ont tué 5 bœufs. Pourtant, il n'y avait rien. Cadeau que son enfant a reçu là. Voilà cadeau là. Comme paquet de sucre vanille là. Qu'elle m'a envoyé. Petite voiture en plastique jaune comme ça. Elle m'a envoyé en inbox. C'est ce qu'ils ont donné à son enfant. Hein. Elle est en train de m'appeler, c'est pour ça qu'elle insistait. Elle dit qu'il faut qu'elle m'en parle, pour que j'en parle directement. Parce qu'elle est partie là-bas exprès pour aller voir, pour croire. Et elle a été très déçue en quittant là-bas. Quand tu ne peux pas faire quelque chose là, il ne faut pas parler pour blaguer les gens. Bla 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 pouki. Quand on dit bla bla pouki là, c'est toi ma chérie. C'est toi même qui es bla 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 pouki là. La fille a quitté là-bas, elle a envoyé le cadeau là, elle m'a envoyé un inbox. Cadeau là, je vais partager ça tout de suite là, sur mon mur. Tout le monde va voir. Vois-tu que tu n'as pas dû partager aux enfants des gens là. On dit que les enfants avaient faim comme ça, ils mangent, ils n'ont même pas eu manger. C'est pour ça que la fille est en train d'insister pour m'appeler, au lieu de prendre pour écouter. Moi, je suis fâché. Ma chérie, pardon. Je ne savais pas que tu avais une aussi bonne nouvelle pour moi. Pardon, merci là-bas. Voilà. Parce qu'il était trop concentré, donc il ne voulait pas qu'on coupe mon direct. On dit petit jouet comme ça, il n'y avait pas mangé. C'est 8 personnes seulement qui ont mangé. C'est quand il Kala Okaina, c'est qui on va appeler puis il va venir. On dit c'est 8 personnes qui ont eu mangé là pour manger. Non mais attends, c'est quoi cette manière de s'humilier tout seul là? Hein? C'est quoi cette manière de se honnir toute seule, ma chère? Oh, il y a les gens qui réclament la pause musicale. Pause musicale! Pour écouter les injures à l'encontre de la Guenon. C'est juste Yaka Yaka. Paris bis officiel.
C'est là que tout se passe. Là-bas. Allez-y tous vous abonner dessus. Et puis venez écouter ici. Vous n'allez pas être déçus. C'est moi qui vous dis ça. Yessé fait pas là. Voilà. Ok mon frère. Faut regarder la vidéo, tu as me dit. Moi-même, j'ai regardé ça tout à l'heure, maman. Ouais, ça, j'ai regardé ça vite fait. Elle était en train de divaguer dans le micro. Sali, micro des gens, elle ça salive là. Il y a quelqu'un qui était pas en train de faire mes courses de Noël. Pas le temps pour écouter des conneries comme ça. Moi-même, je sais que ça va être connerie. Hey, pause musicale. Écoutez-moi cette ancienne chanson, mais que j'adore. Quel cadeau, 15 cadeaux aux enfants. 15 petites voitures. Les voitures à 100 francs, 100 francs là. Est-ce qu'elle allait payer beaucoup, beaucoup pour déposer ça? Makoso peut rien me faire. Makoso a déjà essayé où? Makoso se joue les féticheurs, non? Makoso pense que lui il est mystique, mais c'est pour lui qu'il connaît. Makoso peut rien me faire. Allez-y dire à Makoso que moi il dit. Sa mère qu'on lui et tout ce qui va avec. Voilà. Et que moi il dit, il peut rien faire. Physiquement, il peut rien me faire. Verbalement, il peut rien me faire. Mystiquement, là, on n'en parle même pas. Parce que moi, je vous ai toujours dit, je suis Sénoufo, de père et de mère. Je connais mon village. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. À bon attendeur, salut. Je connais mon village. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ma cause aussi, c'est amusé, là. Il est fini, il est ses couilles. C'est moi, je vous ai dit ça. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Si ça amuse, là, il n'y a même pas bougé, même. Clash qu'ils organisaient pour se battre toujours là. C'était du buzz, c'était pour faire du buzz, parler d'eux tout le temps. C'est comme ça, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'as plus envie que ton nom passe incognito. Voilà, faut faire des trucs pour pouvoir parler de toi. Donc c'est qui faisait son frère. Oui, aujourd'hui il a fait ça avec qui? Oui, il a fait ça avec qui? C'est Lolo Bordel là qui a voulu se mêler dans son affaire pour dire que oui, des Bordeaux si, des Bordeaux ça, toi une pute, quand des Bordeaux va faire connaître toi. La complicité qu'il avait avec Arafat, il ne peut pas avoir ça avec quelqu'un d'autre. Il ne peut pas avoir ça avec quelqu'un d'autre. C'est difficile. Alors, vous savez, les moutons se promènent ensemble. Mais il y en a deux qui s'aiment bien, qui sont toujours dans le même coin, en train de brouter les herbes ensemble. Les hommes aussi, c'est pareil. Il y a toujours deux qui s'aiment bien. D'ailleurs que dans le milieu coupé de Kaila, il y a toujours deux chanteurs qui vont bien s'aimer, qui vont sympathiser, qui vont, voilà, qui traînent ensemble. Et Arafat et Pedro Bordeaux, c'était ça. C'est les deux là, ils faisaient des clashs. Gens, ils se tapent même devant les gens. Mais tout ça, c'était buzz. Parce que quand c'est comme ça là, ça fait buzz national. Tout le monde parle. Tout le monde en parle. Leur nom se règne toujours. Donc laissez le pauvre tranquille. Makoso, enlève ta sale gueule puyante sur le monsieur.
Enlève ton gros groin, ta grosse gueule de pitbull là. Enlève ça sur le jeûne. Ah, il va te taper un jour. Demande ton affaire, il tape facilement. Hein. Il va te gifler ta petite taille de nyambois là. Tu es au cou, on dirait quelque chose là. Tu fermes pas ta gueule, tu as occupé de tu n'as même pas d'église. Tu n'as pas honte. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Je ne force pas. Tu ne vois venir comme ça, on dirait un pingouin. Comme ça, je ne force pas. Bouche la gueule là, arrive à manger les oreilles. Je ne force pas. Tu ne forces pas. Va construire ton église. Tu dis que tu es riche, non? Il faut aller construire ton église. Bâtard là. Va construire ton église. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas de maison à ton nom. Tu n'as même pas. Tu es là, tu vis au jour le jour. Et puis tu ouvres ta gueule là dans tout ce qui ne te regarde pas en Côte d'Ivoire. Mon ami. Mais ferme ta gueule. Faut fermer ta gueule. Sale bâtard. Imbécile là. D'après Gédéon, bâtard spirituel. J'adore quand il dit ça, ce monsieur là. Bâtard spirituel, Makoso. Imbécile là. Tu as fini de donner ton cul là-bas à la démence en Belgique. Tu as fini de donner ton cul à la démence en Belgique. On t'a mougou là-bas jusqu'à fatigué. Tu as venu t'asseoir pour te jouer les hommes devant ta femme. Imbécile là. Mais il a dit, Lolo. Faut voir, faut faire, tu as géré ton vieux père. Ton vieux père là, m'a envoyé sa photo. Ton papa là, ton père spirituel là. On m'a envoyé sa photo, ces coudes là sont bizarres. Hein. On dirait que c'est dessus qu'on prépare Congondé. Les coudes là sont cramés. Hein. Faut le gérer ou bien. Tchè. C'est ton vieux père, non? Faut lui glisser un peu de. Toi, tu es syndicat de tchat. Et puis ton vieux père, ses coudes sont cramés comme ça. C'est quelle histoire ça? Il y a vu ça, Yéli, mais c'est qui ça? On est allé, Yéli, ah, ok, d'accord. On a qu'à laisser ça. Donc, les gars, je vous aime bien, mais vous avez les directs trop longs là, j'aime pas. Ouais, parce qu'après, tu deviens ridicule. Et moi, je n'ai pas envie d'être ridicule, parce que si le ridicule tu es là, les lots de beauté là, nous dévancer dans la tombe. Parce que eux là, c'est des vrais ridicules rigolos. Donc, sur ce, je vais vous laisser aller cuisiner pour vos maris. Parce qu'il y a une qui m'a dit que son mari veut la laisser. Mon frère, pardon, faut pas la laisser. Oh. C'est parce que je suis plus joli que toi. Toi, elle préfère me regarder qu'elle était. Ah, je rigole. Non, faut. Voilà. Allez-y cuisiner pour vos maris. Allez-y vaquer à vos occupations. Demain, il y a école pour ceux qui vont à l'école. Demain, il y a travail pour ceux qui boulotent. Et puis, non, je ne me lève pas pour danser. Je ne sais pas danser. Oh. Si je ne sais pas danser, pendant que j'allais gaspiller pour vous donner, c'est tous les jours. Mais il ne sait pas danser. Voilà. Donc, c'est dommage, je ne sais pas danser. J'aurais bien aimé savoir danser. Parce que quand je regarde Serge Benoît en train de danser, il bouge tellement bien que je dis, mais c'est pas possible. Comment tu fais? Je dis, mais comment tu fais pour danser bien comme ça? Moi, j'aurais aimé savoir faire ça. Mais je ne sais pas faire. J'ai essayé ça ici, un jour, j'ai failli casser mon pied. Donc, vraiment, je n'ai pas envie de me blesser. Ouais, non. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi. Si je suis malade à l'hôpital, là, ça ne va pas les arranger. Donc, voilà. Rien que pour eux, là, je préfère rester en forme pour aller travailler. Et puis, on va s'aider comme on peut s'aider. Sur ce, que Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire. Tous les blablabla à gauche, à droite, là, s'il vous plaît, calmez les tensions au lieu de mettre de l'huile dans le feu, s'il vous plaît. Parce que gueuleux, là, ça ne sert à rien. Vous montez, vous descendez, oh, les choses sont là. Les faits sont là. Vous allez faire quoi? On fait quoi? On peut rien faire. Il y a des familles là-bas qui n'ont pas besoin de guerre. C'est ce que je vous disais depuis longtemps dans mes vidéos. Il y a des familles en Côte d'Ivoire qui n'ont pas besoin de guerre. Je ne pense même pas qu'il y ait une seule famille qui a besoin de guerre. Tout le monde veut la paix. Donc, s'il vous plaît, à cause de Dieu, regardez le ciel, regardez la terre. Et puis, laissez les Ivoiriens dans leur paix. S'il vous plaît. Apaisez les tensions. S'il vous plaît. Parce que quand on dit go dans la foule là, ça tripe pas Bété, ça tripe pas Djoula, ça tripe pas Baoulé, ça tripe pas Atié, ça tripe pas Ladjan, ça tripe pas Djoukrou. Quand c'est go, tout le monde prend pour lui. Bonimao, Gagouo, yeah, Niaveyo, est-ce que go ah? Donc, je vous aime beaucoup et je vous aime bien et je vous aime très 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 fort. Et puis je vous dis
Bonne soirée et bon début de semaine à tout le monde. Que Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire. Que tout se passe très bien pour les élections. Qu'il n'y ait pas de sang versé, s'il vous plaît. C'est toute mon inquiétude qui est là. Franchement, qu'on puisse faire passer aux élections sans verser du sang, s'il vous plaît. Voilà. Donc, gros bisous à tout le monde et puis on est ensemble.